Le Seigneur m'a parlé ces derniers jours. And actually the Lord has spoken to me the last few days. Sur le Psaume 23. 23. Donc le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. So the Lord never does anything for no reason. Je crois que le Seigneur veut qu'on médite sur le Psaume 23. I believe the Lord wants us to meditate on Psalm 23. C'est un psaume qui est très simple. It is a very simple psalm. Très facile à apprendre par cœur. Mais très puissant. But very powerful. Alléluia. J'inviterai tout le monde à apprendre ce psaume par cœur. C'est très beau comme psaume. Alléluia. Amen. Le psaume 23, 23 a été écrit par David, was written by David qui lui-même était un berger, et et à travers le, tra le travail qu'il faisait, doing, il a eu la révélation de Dieu comme étant le bon berger. Alléluia. Donc nous allons lire ce psaume. So we're going to read this psalm, psaume, 23, psaume 23. Composé de six versets. Alors le psaume dit, l'Éternel est mon berger, the Lord is my je ne manquerai de rien. Vous savez, you know, c'est bien de connaître le psaume, psaume mais c'est mieux de connaître le berger. Yes, Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Leads me beside the still waters. Il me conduit dans les sentiers de la justice. he leads me in the paths of righteousness de because, for his name's sake yet yeah, though i walk through the valley of the shadow of death je ne crains aucun mal, i will fear no evil for you are with me Ta roulette et ton bâton me rassurent. You rod and you staff and comfort me. Tu devant moi une table. You prepare a table before me en face de mes adversaires. in the presence of my enemies. Tu ma tête. You anoint my head with oil and my My cup runs over. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Surely goodness and mercy shall follow me. Tous les jours de ma vie. All the days of my life. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Forever. Alléluia. Amen. La bonne traduction dit. Oui, le bonheur et la grâce and grace me poursuivront tous les jours de ma vie. Will pursue me every day of my life. Amen. Ah, j'aime ça. I like this. Ça veut dire que même si tu ne les cherches pas, Even if you're not looking for them, ils sont là. There. Le bonheur et la grâce me poursuivront. Goodness and mercy shall pursue me. Amen. Amen. Le psaume 23 est composé d'au moins huit noms de Dieu. Psalm 23 is made of eight or has eight names of God in it. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger est traduit Jéhovah Rohi. The Lord is my shepherd is translated Jéhovah Rohi. Je ne manquerai de rien. I shall not want. Jéhovah Jireh. Jehovah Jireh. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Il, restaure Il restaure mon âme. Jéhovah Rapha. L'éternel qui guérit. L'éternel qui guérit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me Jéhovah Tike-nous. L'Éternel est ma justice. The Lord is my righteousness. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car no tu es avec moi. Jéhovah Shama. Shama. L'Éternel est ici. The Lord is here. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Rod and staff, they comfort me. Tu dresses devant moi une table. You a table before me. En face de mes adversaires. Jéhovah Sabaoth. Sabaoth. L'éternel qui combat pour nous. L'éternel des armées. L'éternel des hostes. Tu oint ma tête et ma coupe déborde. My head with oil. My cup runs over. El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu qui donne plus qu'assez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie. All the days of my life. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Une chose me M'interpelle à chaque fois quand je lis ce verset, ce, each, ce psaume. C'est uh, le premier verset. Verse, L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Amen. 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 On peut juste finir la prédication comme We ça. On peut parce que ce verset est profond et puissant. Because this verse is profound and powerful. Et il y a un défi dans ce verset. L'Éternel verse. est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. S'il y a un manque If there is a lack dans ma vie, in my life, la première question est... Est-ce que l'Éternel est mon berger? Is the Lord my shepherd? Amen. Amen. Parce que le verset dit verse L'Éternel est mon berger the Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien I shall not ma want. Y a-t-il un manque dans ta vie Is there a lack in your life? Il y a un manque qui crie dans ta vie If there is some lack in your life, La réponse pour nous ce matin the answer for us this morning, c'est de faire de l'éternel notre berger. C'est Parce que si l'éternel est notre berger, Because if the Lord is our shepherd, nous ne manquerons de rien. We will lack nothing. Ça, c'est très fort comme affirmation. It's a very la Bible n'a pas dit, l'Éternel est mon berger. Parfois, je peux manquer, parfois, je peux ne pas manquer. Vous savez, la Bible ne donne jamais des affirmations douteuses. C'est jamais entre deux, comment dirais-je, entre deux idées ou deux choses. It's never in two La parole est claire, nette, catégorique. Uh, L'Éternel est mon berger. The Lord is my Je ne manquerai de rien. I shall not want. Donc, si tu manques, so if you are in need, c'est que tu ne regardes pas le berger. Maybe you're not at the tu regardes vers le sud Maybe you're to the south, pendant que le berger se dirige vers le nord. When the the shepherd is going north. Yes. Alléluia. C'est comme une boussole. Hein? It's like a quand tu es perdu, quand tu es perdu. La boussole te donne la direction. The compass gives you the direction. Nous avons besoin de direction. We need direction. Certaines personnes ont besoin de direction. Some people need direction. Pour prendre une bonne décision. To make the right decision. Yes. La plupart des gens Most prennent toujours de mauvaises décisions. Uh, make always the wrong decision. Parce qu'en prenant la mauvaise décision. Because by taking the wrong decision, ils n'ont pas regardé dans quelle direction le berger marche. The shepherd was walking. Parfois, on prend des décisions à cause des désirs de la chair ou de notre propre volonté. Le verset 1, je peux le traduire en disant :« L'Éternel est mon berger, je n'aurai pas de volonté. » The first verse 1 could be translated :« The Lord is my shepherd, I will not follow my own will. » Parce que s'il est ton berger, ça veut dire que toi tu n'as plus de volonté. It means you have no more will. Parce que le berger va te conduire dans des endroits que toi, tu ne vas pas aimer, mais lui, il sait pourquoi il te conduit dans cet endroit. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, uh, la Bible dit, il a vu que les plaines de Sodome et Gomorre étaient verdoyantes et très belles. He saw that the plains of Sodome and Gomorrah were very green and beautiful. Et il est parti. And he left. Il a laissé Abraham. He left Abraham. Mais là où il est parti, But where he went, il a rencontré pratiquement la mort. He met actually death. Pourquoi Why? Parce qu'il a pris une décision sans la volonté de Dieu the, the will of God. ou sans suivre la direction du berger. Or the direction of a Quand tu perds où se trouve le berger, When you lose, uh, where the is, tu perds ta direction. You il y a des gens qui sont dans des directions qui, pour le moment, paraissent très bien. Mais si vous ne vous repentez pas, repent, qui signifie changer de direction, which means to change direction, vous finirez dans la fosse. L'Éternel est mon berger. The Lord is my Je ne manquerai de rien. I shall not want. Je peux répéter ce verset du matin jusqu'au soir. L'Éternel uh, est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de lui. Je Quelqu'un qui veut prendre une décision mais qui ne sait pas quelle décision prendre. Pourquoi ne pas confesser ce verset confess verse? L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not want ça, c'est fort, ça. It's strong. J'ai regardé plusieurs traductions de ce verset, I looked at many translations of this verse. sept traductions différentes. Seven different translations. La première traduction dit ⁇ L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. ⁇ Deuxième traduction ⁇ L'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Troisième traduction. L'Éternel est mon berger, je ne serai jamais dans le besoin. The Lord shepherds me, I shall never be in need. Amen. Amen. Quatre. Fourth. Il mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh is my shepherd, I lack nothing. Amen. Amen. Cinq. Fifth. L'Éternel est mon berger pour me nourrir, me guider et me protéger. Je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd to feed, guide and shield me. I shall lack nothing. Sixième traduction. Sixth... L'Éternel prend soin de moi comme sa brebis. Je ne manquerai d'aucune bonne chose. The Lord takes care of me as his sheep. I will not be without any good thing. J'aime bien ce vers like verset. <laughs> Septième traduction. Parce que l'Éternel est mon berger. Because the Lord is my shepherd. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Amen. Ah, Amen. Ça, je vais le répéter encore. Parce que l'Éternel est mon berger. Because the Lord is my shepherd. Je possède tout ce dont j'ai besoin. I have everything I need. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel est mon berger. So the Lord is my shepherd. Le, le, David ne dit pas l'Éternel est un berger. David does not say the Lord is a shepherd. shepherd. Il a dit mon berger. He said my shepherd. Mon berger à moi. My my shepherd. Ça veut dire It means Tu as une relation personnelle avec lui. You have a personal relationship with him. L'Éternel n'est pas un berger. The Lord is not a shepherd. Il est mon berger. He is my shepherd. Amen. Et quand nous lisons Jean chapitre 10, And when we read John chapter 10,

C'est quoi une brebis? What is a, a sheep? Une brebis? A sheep. C'est un animal, is an animal qui entend la voix de son berger. That hears the voice of his shepherd. Et Jésus dit dans Jean chapitre 10, And Jesus says in John chapter 10: Mes brebis ne suivront pas un étranger. My sheep will not follow a stranger. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais mes brebis me connaissent. But my sheep know me. Et je connais mes brebis. Est-ce que vous savez que là où vous êtes, Dieu vous connaît personnellement? Do you know where you are that God knows you personally? Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. God knows the of hair is on your head. Il connaît tous tes problèmes. He knows all your ceux dont tu n'as jamais parlé. Every, you've never about. Et ceux dont tu as déjà parlé. And you've about. Il sait que tu t'appelles Angèle. He knows your name is que tu habites à telle adresse. And you, but you live at, in such place. Il connaît tout de toi. He knows le, le berger connaît les brebis. Mais est-ce que toi, en tant que brebis, tu connais le berger But as a sheep, do you know the shepherd? Parce que si le berger doit te conduire dans de verts pâturages, so ça veut dire que tu... Le reconnaît comme berger It means that you him as your shepherd, et que tu le suis. And that you follow him. Amen, amen, amen. Parce que si tu ne le suis pas, Because if you don't follow him, mais il ne peut pas te conduire dans de verts pâturages. Si on m'enferme dans une salle, qu'on me bande les yeux. and they put uh, something around my eyes that i cannot see met 300 femmes autour de moi. and they put 300 women around me que chaque femme parle. and every woman will speak Parmi les 300 femmes, among the 300 women je reconnaîtrai la voix de ma femme. i will recognize uh, my wife's voice That's right. Amen. Amen. Pourquoi? why parce que je la connais. because i know her yeah. Et elle me connaît. and she knows me Il y a beaucoup de voix qui nous parlent. A lot of are to us. Hmm. Il y a la voix de la chair. The voice of the flesh. Il y a la voix du diable. The voice of the devil. La voix de tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. La voix de la situation menaçante. The voice of situation. La voix de tes inquiétudes. The voice of your Et la voix de Jésus. And Jesus voice. Maintenant, comment tu peux discerner quelle est la voix de Jésus. Now, how can you discern which one is Jesus' voice? Parce que quand on dit Abraham a pris Isaac pour le sacrifier. Because when we say Abraham took Isaac to sacrifice him. Tout le monde admire le geste. Everybody admires what he did. Mais moi, c'est pas ce que j'admire. But that's not what I admire. Ce que j'admire, c'est qu'Abraham a pu comprendre que c'est la voix de Dieu qui lui a dit de tuer son fils. Was to it was to son. Ah, vous ne me suivez pas. Not me. Parce que si c'est vous, you, vous allez dire que c'est le diable. Say, oh, Pourquoi Why? Parce que Dieu ne demande pas de sacrifice humain. not, uh, sacrifices humains. Et pourtant, Abraham a reconnu. C'est Dieu qui me parle. God to me. Vous savez que Dieu va vous demander des choses <laughs> que vous n'avez jamais conçues. Et si vous dites ça à vos voisins, avant la fin de la journée, the end of the day, vous serez dans un hôpital psychiatrique. Je vais vous dire quelque chose. Hein. I will tell you quand tu suis le berger, when you the shepherd, toi tu vois le berger, you see the mais les autres ne voient pas le berger. But the don't see the That's right. Vous avez vu quand on a jeté les trois Hébreux dans la fournaise ardente Daniel 3 ou Daniel 6 Daniel 3. La Bible dit dans le feu, the Bible says, in the fire, ils ont vu le quatrième homme. They saw the fourth man. Mais quand je méditais sur ça hier, j'ai compris I understood, le quatrième homme n'est pas apparu dans le feu. En fait, ils ont suivi le quatrième homme dans le feu. Ah. Ah. C'est dans le feu que les autres ont vu le quatrième homme. Mais en dehors du feu, les Hébreux voyaient le quatrième homme. Mais les autres ne le voyaient pas. Mais les autres ne le voyaient pas. Ah, je peux voir mon berger I can see my je dis je peux voir mon berger I can see my toi tu ne le vois pas don't see him. mais je suis derrière mon berger But I after my ça c'est fort ça ils ont suivi le berger dans They le feu hmm. c'est pour ça que dans le feu That's why that in the fire, le feu ne leur a rien fait the fire did ce n'est pas dans le feu qu'ils ont connu le berger. Avant de voir Jésus, Jesus, avant the, que tu vois Jésus, Jesus, dans ta persécution, tu devrais le voir avant la persécution. Amen. Amen. Ah, parce que si tu ne le connais pas, him, tu ne peux pas le voir dans you la persécution. La Bible dit après le baptême de Jésus the Bible says after Jesus baptism, le Saint-Esprit pas le diable not the devil, le Saint-Esprit a conduit Jésus led dans le désert into the desert. Hmm. Alléluia Amen Moi j'aurais pu penser que c'est le diable I could have thought it was the devil. Non, le no, it was the Holy Spirit. Le berger peut te conduire dans des the Holy Spirit can lead you into uh, some deserts. The shepherd. Of shepherd can lead you into some deserts. Parce que dans le désert, because in the desert, lui qui conduit, because he led you, he desert. will bring you out of the desert. Si tu vas tout seul dans le désert, c'est différent. If you go to, in the desert, it's mais si c'est lui qui te conduit dans le désert, dans le désert, in the desert, tu es dans le désert. You are in the mais il y aura des choses surnaturelles qui vont se passer. But some will Parce que dans le désert, c'est lui qui les a conduits dans le désert. He led them into the desert. Et il a fait tomber le pain du ciel. And he leurs habits grandissaient sur eux. Their clothes grew on them. Leurs chaussures Their shoes grandissaient grew au fur et à mesure que les années passaient. As the years were passing by. Yeah. Pendant 40 ans, For 40 years, ils ont mangé they ate, sans restaurant. Without, uh, restaurants. Yes. Yes. Pendant 40 ans, For 40 years, ils se sont habillés they got dressed. sans boutique. Without any boutiques or shops. La Bible dit que les vêtements the grandissaient sur eux. Grew on them. Pourquoi? Why? Pas parce qu'ils étaient dans le désert, Not they were in the mais parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu dans le désert. Parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu dans le désert. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, came, mourir pour nous, us, dans Jean chapitre 16, 16 il a dit, c'est plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que avant que Jésus reparte au ciel, for, Jesus went back to heaven, le Saint-Esprit ne demeurait pas sur la terre. The Holy il venait et repartait. Came and went and came. Mais Jésus a dit, c'est plus avantageux que je m'en aille. But Jesus said, It's better that I go. Ainsi, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il demeurera en vous, il sera avec vous pour l'éternité. Jean 14. John 14. Pourquoi Why? Parce que celui qui te conduit aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Testament, David dit, l'Éternel est mon berger. David says, the Lord is my shepherd. Dans le Nouveau Testament, the Testament Jean chapitre 10, John 10, Jésus dit, je suis Jesus le bon berger. Says, I am the good shepherd. Dans les Épîtres, In the epistles, Nous voyons que le Saint-Esprit est devenu le berger has the qui a commencé à diriger les apôtres et à diriger les chrétiens. Parce que Jésus a dit, said, quand le Saint-Esprit viendra, comes, il vous conduira dans toute la vérité. The whole, the le rôle du berger, c'est de conduire. C'est to lead alléluia Amen. Maintenant, comment entendre la voix du, du berger Now, comment au milieu de 300 femmes 300 women, je peux reconnaître la voix de ma femme parce que tous les jours je Because suis avec elle je parle avec I elle on est tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. Et je me suis habituée à elle tellement que si quelque chose se passe, je peux imaginer comment elle va réagir. Et il y a des choses que tu vas me dire sur elle, je ne te croirai pas parce que je la connais. Parce que nous sommes tout le temps ensemble. Comment tu reconnais la voix de Jésus? How do you recognize Jesus voice? Si tu es tout le temps avec Jésus. All the time with Jesus. Vous savez, il y, a, il y a quelque chose qui m'a fait, comment dirais-je, qui m'a fait rire, c'est dans Jean chapitre 21. Vous lirez à la maison. Made me laugh in John 21. La Bible dit que les apôtres the étaient retournés the apostles, à la pêche. The je crois que c'est Pierre qui a eu cette idée. I think that was idea. Il était pêcheur He was a de poissons. Of a fish. Et Jésus l'a appelé pour faire de lui pêcheur d'hommes. Uh, Donc l'ancien a quitté les poissons. <laughs> so the anointing left the fish. <laughs> Alléluia. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Il a trahi, il a renié Jésus He et lui-même il s'est condamné. He il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ont fait quelque chose de mal pendant que Dieu ne te condamne pas. Il attend juste que tu te repentes pour re continuer avec toi. To continue mais au lieu de se repentir, Pierre était déçu. Peter was Même Judas qui a trahi Jésus, s'il s'était repenti, If he had repented, Jésus allait le recevoir. Jesus would have received him. Il n'y a pas de péché plus grand que la croix de Jésus. La croix de Jésus est plus grande que tous les péchés. Donc, Pierre a dit, retournons à la pêche. So Peter said, Let's go back fishing. Il y a des gens qui retournent dans le monde. Some people go back to the world. Et à la pêche, ils n'ont rien trouvé. And when they were fishing, they got nothing. Et la Bible dit, il y a un homme qui est venu. Au bord de la mer. Man came on the Et l'homme leur a dit de lui donner à manger. And the man said to give him to ils eat. ont dit qu'ils n'ont rien pris. They they Et l'homme a dit And the man said, jetez le filet à droite. Throw the net on the right. Et ils ont jeté le filet à droite. So they threw the net on the right. Ils ont pris beaucoup de poissons. La Bible dit, the Bible says, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Suivez-moi bien. Me. Mais de tous les apôtres, il y en a un qui a dit, c'est le Seigneur. Et celui qui a dit, c'est le Seigneur, said, la Bible dit, que c'est celui qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Il connaissait trop les battements du cœur de Jésus. Il il connaissait tellement Jésus. Knew Jesus so much. Que même que Jésus est venu avec un autre visage. Even if Jesus came with a different face, il a dit c'est le Seigneur. He said, It's the Lord. Ah, dis à ton voisin c'est le Seigneur. Tell your neighbor, It's the Lord. Comment il a su que c'est le Seigneur? How did you know it was the Lord? Parce qu'il le connaît très bien. ceux qui donnent la main à Jésus. Il y a ceux qui donnent la main à Jésus. Il y a ceux qui mettent leurs mains sur l'épaule de Jésus. Put their hands on Jesus, Il y a uh, ceux qui shoulder. marchent simplement avec Jésus. Ce sont des différents niveaux d'adoration. Et il y a ceux comme Jean qui mettent leur tête sur la poitrine de Jésus. And those like John, up, their head on Jesus Ça, c'est le plus haut niveau d'adoration. Ah, si ta tête est sur la parole de Dieu, If your head is on God's word, à chaque fois que Dieu te parlera, you, tu diras toujours c'est le Seigneur. You will say, It's the Lord. Donc comment entendre la voix de Dieu La parole, the word, encore la parole, again the word, et toujours la parole. And always the word. Où tu vas entendre la voix de Dieu Where will you hear God's voice? La parole. The word. Si tu es tout le temps dans la méditation de la parole, If you're always God's word, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jesus said, My words are spirit and life. Si tu es tout le temps en train d'écouter la parole, If you're to the word, étudier la parole, the word, la parole va te parler. The word will speak to you. La parole parle toujours. The word la Bible dit, the Bible says, dans Proverbe 20, 20 l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Lamp Ça veut dire que quand l'éternel nous parle, so when the Lord to us, il éclaire notre esprit. Est-ce que l'éternel a déjà éclairé votre esprit une fois? As the Lord ever your spirit. vous êtes dans une situation. You are in a situation vous ne savez pas comment vous en sortir you don't know how to get out et of puis d'un seul coup l'éternel éclaire votre esprit the Lord brings light into et your puis vous vous dites ça y est I say, it. je l'ai vu Amen. I saw it. Amen. Amen. Alléluia Amen. la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Psalm 109. Ça veut dire que la parole éclaire. So uh, alléluia Amen. Je prie dans ta situation confuse. I pray that in your confused situation, la parole t'éclaire. Que Dieu, vous savez. Quand ils étaient sortis de l'Égypte, you know quand vous lisez Nombre 9, when you read Numbers 9 la Bible dit the Bible says, il y avait une colonne, une nuée qui les conduisait. There was a cloud that was them. Dans la journée, c'est une nuée. In, uh, in day, like cloud, et la nuit, and at night, la nuée devenait euh, une lumière. It was a light. Alléluia. Amen. Ils pouvaient voir. They could see. La Bible dit, quand ils marchaient dans le désert et que la nuit s'arrêtait, so eux tous, ils s'arrêtaient. Et ils restaient là jusqu'à, même si ça doit prendre trois semaines. Had, had weeks, ils attendaient. Waited, dès que la nuée s'élève et commence à bouger. As as the to move again, ah, il aussi à bouger. Well. Dieu dit Tu marches trop vite. Ne marche pas devant moi. C'est moi qui dois être devant toi. Ils attendaient la nuée. They were waiting for the cloud. Même s'ils devaient attendre 30 ans. Even they had to wait for 30 Ils years. attendaient à chaque fois que la nuée dise quelle direction prendre. They were waiting always for the cloud to say which direction to, to, to take. La nuée était comme leur berger. The cloud was like a shepherd. C'est ça l'éternel est mon berger. That's what it is the Lord is my shepherd. Je ne fais rien. I will do nothing. Si je ne vois pas quelle est la position de l'éternel, je vais vous dire quelque chose. N'ayez pas peur si le berger prend le chemin de la mer rouge. Parce que si le berger prend le chemin de la mer rouge, c'est qu'il peut ouvrir la mer rouge. C'est qu'il peut ouvrir la mer rouge. Pourquoi je dis ça Why am I this? Parce qu'il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, voice, mais ils ne font pas ce que Dieu leur dit. Do L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall want ça veut dire que tu es prêt à faire tout ce que l'Éternel va te demander. Ça veut dire que tu es prêt à faire tout ce que l'Éternel va te demander. Aujourd'hui le berger n'est plus visible. Today, the Lord, the shepherd is not visible. Dans l'Ancien Testament, c'était la nuée. In the Old Testament, he was the cloud. Ensuite Dieu utilisait les prophètes And then God used prophets pour donner des directions. To give directions. Ensuite, Jésus est venu. Now, when Jesus came, Il était lui-même la direction. Il était lui-même la direction parce qu'il a dit je suis le chemin Because he says, I'm the way. maintenant que Jésus est parti now that Jesus left, il a envoyé quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit et le Saint-Esprit le berger the shepherd, il n'est plus devant nous he's not in front of us. il est en nous in us now. Amen. Amen. maintenant nous n'entendons pas nous ne voyons pas le berger now we don't see the shepherd, mais nous entendons la voix but we hear the voice. C'est à nous de nous entraîner pour connaître la voix du berger. Lorsque le berger te parle, When the shepherd speaks to you, le berger te parle tout le temps. The shepherd speaks to you all the time. Mais parce que toi, tu n'as pas le temps pour Because you don't have time méditer la parole, to meditate the word. tu as le temps pour faire les, les commérages, you have time to gossip. tu as le temps pour faire... Tous les magasins de ton quartier. Tu es présent dans, dans, dans toutes les surprises parties qu'il y a dans la ville. You attend every surprise party in the town. Tu as le temps de faire tous les voyages que tu veux. You have time to travel everywhere you want. Tu as même le temps de critiquer. You have enough time to criticize. Mais tu n'as jamais le temps de lire la parole. Mais tu n'as jamais le temps de lire la parole. Pourquoi tu ne te disciplines pas Why don't you get Chaque jour, Every day, je dois passer au moins une heure dans la parole. Tu commences avec une heure. You start with an hour. Après deux. And then two. Après trois. And And then three. Après quatre. And then four. Après, tu t'enfermes, tu dis aujourd'hui, je ne sors pas, c'est seulement la parole. c'est seulement la parole. Tu vas voir you will see. que tu vas commencer à voir les choses différemment. You'll start Dans le Psaume 37, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. J'étais très content quand je lisais ça. Parce que je disais, ah! And I said, wow. Maintenant le Seigneur va m'accorder tous mes désirs. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire en fait. But it's not what it says. Parce que si tu te délectes dans le Seigneur, Lord, automatiquement, tes désirs seront les désirs de l'éternel. Tes désirs seront les désirs de l'éternel. Ça ne sera plus des désirs charnels et égoïstes. Parce que, en te délectant dans le Seigneur, so Lord, tu deviens un avec le Seigneur. Tu ne peux pas désirer quelque chose qui n'est pas en accord avec le Seigneur. Ça veut dire. Que tu commences à mieux connaître le Seigneur. C'est un défi. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not want. Si tu manques de quelque chose, demande-toi Est-ce que je suis vraiment le berger Am I following the shepherd? Il y a un autre verset There is another verse. que je trouve très. Comment dirais-je Ce verset-là me trouble toujours. Uh, Jusqu'au jour j'arriverai à le vivre. Uh, until the day I will live it. Et, et je prie And I pray que tout le monde arrive à lire, à vivre ce verset. Verse. C'est le psaume 1. C'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, no stands in the path of sinners. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, no mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qu'il a médite jour et nuit. il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Like qui donne son fruit en sa saison. That its in its et dont le feuillage ne se flétrit point. Et le verset Qui m'a toujours Tout ce qu fait lui réussit. Whatever il shall prosper. Bon, question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Tout ce que tu fais te réussit. Lève la main. Is there here? You, you do, it Alléluia. Est-ce que tout ce que tu fais réussit uh, Mais la Bible dit Bible il says est possible, possible d'arriver à un niveau to to où tout ce, qui, ce que tu fais réussit. Ça c'est extraordinaire. This is extraordinary. En fait, pour arriver à ce niveau, to reach this level, ça veut dire it means que l'éternel est ton berger. The Lord is your Parce que si l'éternel n'est pas ton berger, if the Lord is not your shepherd, tu te tromperas toujours de direction. Tu uh, will take the wrong direction. La base de cet enseignement, the basis of this teaching, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas de faire de l'éternel ton berger d'abord. Mm -hmm. to the 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 ce que tu dois d'abord faire, first, what you must do, apprends à reconnaître la voix de l'éternel parmi plusieurs voix. Quand tu seras suffisamment entraîné à entendre et à Distinguer la voix de l'Éternel. Well to, to Alors, then, il pourra être ton berger. Be Comment distinguer sa voix Médite la parole. Meditate the Pray. Le psaume 1 dit Someone says, Ne t'assois pas avec les pécheurs. Do not sit with the sinners. Avec les moqueurs, Médite la parole meditate the word, jour et nuit. day and night. Méditer ne veut pas dire seulement méditer. Meditate does not mean only meditate. Méditer veut dire méditer et appliquer. Meditate means to meditate and apply. Dans 1 roi 17, nous allons finir. In King 17, Je ne King Je sais pas si nous avons encore de temps 5 euh, minutes. So still, uh, dans le roi 17, 1 uh, King chapter 17. La Bible dit Elie était dans un auprès d'un torrent. Elijah was beside uh, a, a well. Et Dieu envoyait de la nourriture par des corbeaux. And God was sending food with uh, ravens. Alléluia. Amen. Mais le torrent s'est desséché. But the well uh, got dried up. Et quand le torrent s'est desséché, well up, Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, go to Sarapta, car là j'ai dit à une veuve de Because te nourrir. You, Je vais vous dire quelque chose. Tell you ah. Il y a un Sarapta dans la vie de tout le monde. Le problème est que tu n'entends pas la voix de Dieu. The problem is you don't hear God's voice. Je t'assure que Dieu ne peut te ne peut pas te laisser dans ton manque. I am sure that, that God cannot leave you in your lack. Parce que ce que tu manques est quelque part. Because what you're lacking is somewhere. Mais le berger va te conduire là où se trouve ce que tu manques. But the shepherd will lead you where you will find what is lacking you. Mais il faut apprendre à entendre sa voix. Si quelqu'un reçoit ce message, If somebody, uh, this message et apprend à entendre la voix de Dieu, to voice, tout ce qu'il fera, il réussira. Amen. La Bible dit Élie est parti à Sarapta. So il a rencontré la femme veuve. Met widow, qui lui a dit c'est mon dernier repas. Élie lui a dit, donne-le-moi. Et la veuve lui a donné. And the widow gave it to him. Je croyais que c'était Élie qui avait convaincu la veuve. I thought it was Elijah that convinced the widow. Non, non. No. Dieu avait convaincu la veuve avant qu'Élie arrive. Et quand elle a donné la nourriture, And when she gave the food, la Bible dit qu'elle n'a plus jamais manqué de nourriture. C'est any yeah. quoi la clé de ce miracle, What is the key for this miracle? Reconnaître la voix de Dieu. Recognize God's voice. Parce qu'elle a reconnu que c'est Dieu qui lui avait parlé. Because she recognized that God had spoken to her. Et obéir à la voix de And Dieu. And obey God's voice. Reconnaître la voix de Recognize Dieu. Recognize Obéir à la voix And de obey Dieu. God's voice. Il y a certaines personnes, vous êtes dans le manque. Some people you are in lack. Dieu vous a dit de faire quelque chose, vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que vous êtes dans le manque. Parce que Dieu a toujours un Sarapta pour ses enfants. Ce qui te manque, si tu médites la parole, word, tu demandes à Dieu de te parler, to to il te dira où se trouve ce qui te manque. You, yes. J'ai cette foi-là. Have this faith. Que ce qui te manque What are you est quelque part. Is tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. You need to hear God's voice. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. We will stand. Seigneur, je te rends grâce. Lord, thank you. La Bible dit dans Hébreu 3. The Bible says in si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Do not your Quand la Bible dit, si vous entendez sa voix, c'est quoi la voix? C'est sa parole. C'est sa parole. Sa voix, c'est sa parole. His voice is his word. À chaque fois que la parole est prêchée, c'est la voix de Dieu qui est prêchée. It's God's voice that is preached. Alléluia. Amen. Moi je vais prier. I will pray. Je ne sais pas quelle est ta situation. situation. Pour tous ceux qui ont besoin de direction. For in direction je prie dans le nom de Jésus. I pray in Jesus name, que vous entendiez la voix de Dieu. Voice, à travers sa parole. His word, que le Seigneur illumine votre esprit. That the Lord will your, uh, et vous montre quel chemin prendre. We'll Quelqu'un qui veut prendre une décision. Wants to make a mais Dieu dit ne te précise. Pas. But God says do not uh, hurry. Cherche la voie du, uh, 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 du berger. Search the, for the shepherd's way. Cherche la voie du berger. Search for the shepherd's way. Cherche la voie du berger. Search for the shepherd's way. Seigneur, merci. Lord, I thank you. Ton esprit habite en nous. Your spirit lives in us. Quelqu'un ne va pas dormir ce soir Somebody will not sleep tonight? Parce que ta voix ne va pas cesser de parler dans son cœur. Because your voice will speak in their heart non-stop. Yes. Seigneur dans, dans le cœur de tes enfants. Speak in the hearts of your children. Ceux qui sont à la croisée du chemin. Those who are at a crossroad. Ils ne savent pas quelle direction prendre. I know what direction to take. Attendez la voix du Seigneur. Wait to hear the voice of the Lord. Attendez la voix du Seigneur. L'Éternel est mon berger. The Lord is my Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. The Lord is my Je ne manquerai de rien. I shall not want. Que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.